Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter ce produit. C'est un traitement anti-fumée en fait. Alors c'est pas mal pour les contrôles techniques, pour les vieux diesels, les vieilles voitures. Mais également, moi dans mon véhicule, dans ma Clio par exemple, là, j'ai remplacé le turbo. Et en fait, l'ancien turbo en fait, là, avait laissé de l'huile un peu partout. Et puis l'huile avait un peu coulé et tout ça. Du coup, là, elle fume noire malgré qu'il y ait de l'huile neuve. Donc du coup, je vais mettre ceci dans mon huile. Je vais vous montrer la notice. Et en fait, ça va purifier en quelque sorte mon huile, en tout cas la nettoyer. Et nettoyer tout le système ben, là où l'huile passe en fait. Donc du coup, ça nous donnera un moteur plus propre. Je vous le conseille avant les contrôles techniques, c'est bien de le mettre et puis de le laisser. De toute façon, c'est un flacon qui fait un demi-litre, je pense, même pas 250 millilitres. Donc, ça va pas faire évoluer votre niveau d'huile jusqu'au niveau max. Donc, vous le rajoutez en fait dans votre huile et vous le laissez tout simplement. Et ça a une matière d'huile, je vais vous le montrer ensuite. C'est un peu, je pense que c'est comme de l'huile, hein, c'est la même viscosité. Et voilà, donc ce petit produit-là fonctionne. Alors moi, je l'avais déjà testé sur un véhicule. Je le mettais surtout avant les contrôles techniques. Mais là, c'est différent. Là, je le mets vraiment pour nettoyer le circuit par rapport au remplacement du turbo. Parce que le mécano, en fait, n'avait pas nettoyé tout ce qui était du ride quand il avait monté le nouveau turbo. Je vous montre la notice. On met ça. C'est parti. Donc le produit, c'est celui-ci. Alors je l'ai acheté à Carter Cash, pour ceux qui connaissent. Pas très cher, peut-être 8 ou 9 euros, je crois. Donc c'est traitement anti-fumée. Et alors dans la notice, on nous dit, alors traitement anti-fumée pour tous les moteurs essence, diesel ou GPL, compatible avec les huiles minérales et de synthèse. Réduit les fumées d'échappement, réduit la consommation excessive d'huile, améliore la puissance du moteur, prolonge l'efficacité de l'huile moteur. Mode d'emploi, ajouter le contenu du flacon à l'huile moteur dans un moteur chaud à l'arrêt. En cas de fumée excessive, un flacon traite un carter de 3 à 6 litres d'huile. Voilà, donc bon, en général 3 à 6 litres, c'est quasiment, enfin, ça traite tous les carters d'huile, sauf sur les gros véhicules où il y a 8 litres d'huile, mais bon, c'est plutôt rare. En général, un seul flacon suffit. Donc là, on nous dit qu'il faut le mettre moteur chaud, donc on va le mettre du coup directement dans le moteur. Donc là, on laisse chauffer son véhicule qui soit assez chaud. En fait, c'est pour que l'huile soit beaucoup plus fluide et quand on va mettre notre produit, en fait, ça va couler plus facilement. Donc là, le moteur est assez chaud. On va du coup ouvrir le capot et mettre notre produit directement dans l'huile. Hop, donc là, tout simplement, vous allez dans votre bouchon de remplissage. Alors, bien sûr, on le fait moteur éteint. Là. Et donc là, j'ai juste à verser mon produit. Bon, en fait, c'est une espèce de pâte, c'est assez épais. Là, on le voit. Et du coup, ça va vraiment permettre de nettoyer notre huile. Voilà. Alors après, je pense que le produit va se mélanger à l'huile directement parce que je le trouve très très épais. Mais de toute façon, on verra parce que moi j'avais le véhicule qui fumait vraiment noir. Donc on verra s'il y a un changement ou pas. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à rouler avec ce produit dans votre moteur. Donc que le véhicule chauffe bien. Et un petit conseil aussi, quand vous amenez votre véhicule au contrôle technique, amenez-le toujours moteur chaud, limite même à 90 quoi, au maximum. Parce qu'en fait, quand un véhicule est chaud, il pollue beaucoup moins au niveau de la sonde qu'ils vont vous mettre au niveau de l'échappement en fait. Donc vous avez plus de chances de passer votre contrôle technique au niveau de la pollution avec un moteur chaud. Moteur froid, ça pollue toujours plus. Donc n'oubliez pas ce petit conseil, on va au contrôle technique toujours moteur chaud. Le produit du coup, vous le laissez dans votre moteur, vous roulez. Une fois que le moteur est chaud, du coup ça fera effet. Et ensuite vous verrez, les fumées vont diminuer au fur et à mesure.
Voilà donc pour cette petite vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut!